Un visage juvénile, un keffieh, un uniforme militaire décoré du portrait de Qassem Soleimani. Ce petit garçon est le visage de la campagne lancée par Téhéran. L'objectif, recruter des volontaires prêts à être envoyés à Gaza pour porter main forte au Hamas et combattre contre Israël, enfants y compris. Une campagne à grande échelle qui comprend des panneaux publicitaires et de nombreuses bannières diffusées sans arrêt sur les écrans de télévision et les réseaux sociaux. Les personnes intéressées doivent alors enregistrer leurs coordonnées sur le site internet en question ou envoyer leur accord par SMS. D'après la télévision iranienne, le nombre de volontaires inscrits dépasse les 3 millions. Les campagnes d'inscription sur des listes de martyrs prêts à s'engager contre Israël sont régulières en Iran, qui relance ce type de propagande à chaque opération entre Israël et la bande de Gaza. Les Iraniens sont habitués à la rhétorique anti-israélienne des gardiens de la révolution, des discours de haine répétés chaque vendredi à Téhéran lors de la prière, ponctués des traditionnels slogans de mort à Israël. L'Iran entretient des liens étroits avec le Hamas en lui apportant notamment une aide financière et logistique. Téhéran financerait plus généralement tous les groupes terroristes palestiniens à hauteur de 100 millions de dollars par an.